L'Empire n'a jamais pris fin. C'est une phrase qui est apparue dans un rêve de l'écrivain de science-fiction, Philip K. Dick. Il était dans une librairie et il cherchait de vieux numéros d'une revue nommée « L'Empire n'a jamais pris fin ». S'il réunissait toute la collection, l'histoire politique et spirituelle de l'humanité serait enfin lisible. Il l'écrira dans l'Exégèse, ce journal rédigé toutes les nuits, de 1974 à sa mort en 1982. Rome a toujours été là et sera toujours là. Le christianisme que nous voyons de manière exotérique est en réalité romain, infiltré par Rome. C'est même Rome au carré, César 2.0. Puisque, infiltrant le christianisme, l'Empire allait faire passer son entreprise de domination pour une aventure spirituelle, et ses conquêtes matérielles pour des combats du bien contre le mal. « On juge l'arbre par ses fruits », a dit Jésus. Cette parole, lorsqu'on doit l'appliquer à celle qui s'en est prétendue l'héritière légitime, l'Église, fait mal. Si on doit juger l'histoire de l'Église et celle de la France, sa fille aînée, non par ce qu'elles disent d'elles-mêmes, mais par ce qu'elles ont fait, l'arbre n'est pas plaisant à voir, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette alliance, nouée lors du baptême de Clovis à la fin du 5e siècle, devait culminer au 13e dans un crime que la France et l'Église réaliseront en commun, la croisade contre les Albigeois, le massacre de ces hérétiques que l'on a dit cathares et la conquête des territoires des seigneurs qui les protégeaient. S'il fallait un seul événement pour démontrer que l'Empire romain, 9 siècles après sa fin apparente, n'avait cessé de dominer le monde, ce serait celui-là. Comme dit Simone Veil, « On peut trouver dans l'histoire des faits d'une atrocité aussi grande, mais non plus grande, sauf peut-être quelques rares exceptions, que la conquête par les Français des territoires situés au sud de la Loire au début du XIIIe siècle. Ce qui va suivre est de l'histoire et n'en est pas. Pas vraiment, pas seulement. Parce qu'un tel récit déborde de sa seule réalité historique. C'est un événement d'une autre nature. Ce récit de chevaliers français et d'inquisiteurs catholiques exterminant des hérétiques situés dans le sud-ouest est aussi l'histoire d'un monde parallèle. Un monde étrange et familier, avec une mentalité si moderne qu'elle nous semble presque anachronique et une mythologie qui semble venir de loin, de très loin, dans le temps comme dans l'espace. Une vision du monde dont on se demande comment elle a pu coexister avec la France chrétienne médiévale. Avec eux, auprès d'eux, se perpétue pour nous l'histoire politique et spirituelle des sanglants. L'extermination des cathares n'est pas seulement un épisode sanglant. C'est un récit mystérieux. Il nous emporte, qu'on le veuille ou non, sur une autre rive. Il se situe, comme ces hommes qui furent tués, de l'autre côté du miroir de l'histoire. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin. Je m'appelle Paco Mtielman. Je ne suis pas historien, je suis exégète. Dans ce programme pour Blast, je fais l'exégèse de notre histoire sur ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France. Celle-ci est subjective et même très subjective, même si nous essayons d'être le plus rigoureux possible. Alors, comme dirait l'autre, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. L'Empire n'a jamais pris fin, épisode 5. L'extermination des cathares, perfidie française. Notre histoire commence en juin 1145. Bernard de Clairvaux est en mission à Toulouse et dans l'Albigeois. Il est accompagné d'Albéric, un légat du pape Eugène III. Accompagné, ou plutôt précédé. Le légat arrive un peu avant Bernard. Il donne une messe dans la cathédrale d'Albi, mais personne ne vient. À peine 30 personnes. Bernard le rejoint 2 jours plus tard. Il reçoit un meilleur accueil. C'est normal. C'est une star. C'est Saint Bernard. On s'étouffait pour toucher le saint. On s'arrachait un fil de sa robe, écrit à son sujet Jules Michelet dans son Histoire de France. Né en 1090 à Fontaine-lès-Dijon, Bernard est le 3e de 7 enfants d'une famille de la noblesse bourguignonne. Lorsqu'il a 16 ou 17 ans, il est marqué par la mort de sa mère et il entre dans les ordres monastiques à l'abbaye de Citeaux. Celle-ci répond à une règle rigoureuse, pauvreté, silence, austérité, et Bernard exerce sur lui-même les mortifications les plus dures,
Il va devenir directeur de conscience et un important promoteur de l'ordre cistercien à travers une nouvelle abbaye, l'abbaye de Clairvaux. Il est très travailleur. Il rédige des traités, des homélies, une apologie de la règle des bénédictins dont découle l'ordre cistercien, leur rejet de tout ce qui pourrait s'apparenter à un divertissement de l'esprit. Inspiré par saint Augustin, Bernard défend à la fois la société féodale et l'autorité pontificale. Il considère que l'ordre de la société est voulu par Dieu et que ce ne sont pas les problèmes sociaux qu'il faut corriger, mais les vices des hommes. C'est le pape Eugène III qui va demander à Bernard de prêcher la deuxième croisade, qui sera menée par Louis VII. Un échec. Les croisés subiront plusieurs défaites face aux Turcs et ne parviendront pas à prendre la ville de Damas. C'est de cette croisade que viendrait l'expression « faire quelque chose pour des prunes ». Les croisés rapportant malgré tout une variété de pruniers à pruneaux, le prunier de Damas. À titre personnel, saint Bernard est plus inquiet des hérésies qui se déploient dans des territoires voisins. Il combat les thèses de Pierre de Bruys, qui s'oppose au baptême des enfants et refuse de voir la croix comme un symbole sacré. Une idée qu'on retrouvera chez nos hérétiques dits cathares. En 1145, quand il se rend dans le Toulousain et l'Albigeois, Bernard de Clairvaux cherche à retrouver et combattre Henri de Lausanne, un moine hérétique inspiré par Pierre de Bruys, qui rejette les sacrements, la liturgie, l'Eucharistie, la messe et le célibat des prêtres imposé par la réforme grégorienne. « Combien de maux !» écrit Bernard au comte Alphonse Jourdain. « L'hérétique Henri a-t-il causé et cause-t-il quotidiennement aux églises de Dieu ? C'est un loup rabasse qui, sous ses dehors de brebis, s'agite dans votre terre. Les basiliques sont privées de fidèles, les fidèles de prêtres et les prêtres de la révérence qui leur est due. Voilà pourquoi, malgré mes multiples infirmités, je me suis mis en route vers cette région choisie entre toutes que dévaste ce monstre insolite et où il ne se trouve personne pour lui résister. Il n'était pas bien portant, mais il est venu quand même. Merci Bernard. Mais le saint a beau chercher, il ne retrouve pas son gros loup, son monstre insolite. Comme écrit l'historienne Anne Brenon, grande spécialiste des cathares, Henri s'est fondu dans la masse d'une contestation plus vaste et plus populaire. En effet, les hérésies qu'il avait combattues précédemment semblaient à chaque fois facilement identifiables et surtout, elles pouvaient être associées à un individu. Les pétrobrusiens avaient Pierre de Bruys, les henriciens, le moine Henri. Ce n'est pas le cas de cette hérésie nouvelle pour saint Bernard qui la découvre à Verfeil, une petite ville située à 4 lieues de Toulouse. Celle-ci semble sans fondateur, sans théoricien. C'est sans doute le plus gros obstacle, théologique comme politique, à sa réfutation. Et puis elle se propage comme la peste. Tout le monde, ou presque, semble gagné par elle. Très vite, saint Bernard comprend qu'on ne peut convaincre ces nouveaux hérétiques ni par le raisonnement, ni par l'autorité, ni par la persuasion. Selon Pierre Dévaux de Cernay, il aurait déclaré « Saisissez-les et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce qu'ils périssent tous, car ils ont prouvé qu'ils aimaient mieux mourir que se convertir. » Il faut prendre cette citation avec prudence. Le chroniqueur Pierre Dévaux de Cernay est né en 1185, 40 ans après le prêche de Bernard en Languedoc, et nous ne connaissons pas la source de cette citation. Ce qu'on possède en revanche, c'est une lettre qui ne vaut pas tellement mieux. Alors que impuissant à les remettre sur le droit chemin, Bernard est rentré à Clairvaux. Celui-ci écrit à ses interlocuteurs toulousains « Ils ont été découverts, ces renards qui ruinaient la plus précieuse vigne du Seigneur, votre cité. Découverts, mais non pris. Ainsi donc, très chers, poursuivez-les, saisissez-les et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce qu'ils périssent tous ou s'enfuient loin de votre pays. » Après le loup, voilà les renards. Quelle ménagerie! Et en 1163, au Concile de Tours, histoire que la vigne soit pleine, le pape Alexandre III ajoutera les serpents. Une damnable hérésie s'est élevée dans le pays de Toulouse, gagnant peu à peu, à la manière d'un chancre, les contrées voisines, la Gascogne et les autres provinces. Comme elle progresse en se cachant, à la façon des serpents, elle ravage dans les âmes simples la vigne du Seigneur. Eux et leurs vignes. C'est également en 1163 que le terme de cathare apparaît pour la première fois pour définir ces hérétiques qui sévissent simultanément dans différentes parties de l'Europe. En l'occurrence, sur les bords du Rhin, dans la région de Cologne. C'est le moine bénédictin Egbert de Schönau
qui est à l'origine de cette appellation. Il fait alors quasiment du copier-coller de Saint-Augustin, chez qui il trouve ce terme de « cathare » qui vaut peut-être pour le grec « katharoi », pur, et que l'évêque d'Hippone a peut-être lui-même trouvé chez Eusèbe de Césarée, qu'il employait pour définir une typologie spécifique de sang-roi, inspirée par un certain Novatien. Egbert désigne alors des hérétiques rhénans, mais le terme va se retrouver dès 1190 chez le pseudo-Bonacursus pour parler d'un mouvement beaucoup plus vaste qui déborderait sur le nord de la péninsule italienne et le sud de la France. À la même époque, le français Alain Delisle propose plusieurs autres étymologies du terme cathare, casti pour chaste et aussi catus. Car, écrit Alain Delisle, à ce qu'on dit, il baise le derrière d'un chat sous la forme duquel leur apparaît Lucifer. Waouh ! De combien de gens parle-t-on ? C'est très difficile à dire. L'Église de Rome voit alors des hérétiques partout, en Rhénanie, en Flandre, en Champagne, dans les Pays de la Loire, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Bulgarie, la Bosnie. Sont-ils fédérés comme un groupe d'églises amies ou s'agit-il de phénomènes isolés qui naissent et se développent en parallèle les uns des autres ? C'est un des points sur lesquels les historiens ne sont pas du tout arrivés à un consensus aujourd'hui. Nous ne rentrerons pas dans cette polémique, nous ne sommes pas qualifiés. Ceux qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont ceux dont généralement on parle lorsqu'on parle des cathares, même s'ils ne se sont jamais eux-mêmes appelés comme ça. Ce sont les hérétiques situés au sud-ouest de la France, dans la partie centrale du sud des Pays d'Oc, et dont la langue est l'occitan. Sur une centaine de bourgs et de châteaux où l'hérésie est attestée à la fin du XIIe siècle, la majorité d'entre eux sont situés entre Toulouse, Albi, Carcassonne et Foix. Il y a deux autres foyers importants, Béziers et la région de Montauban et de la basse vallée du Tarn. Ce sont des lieux où le pouvoir royal n'est pas très présent. Les anciennes structures héritées de l'Empire romain, puis de l'ère carolingienne, y ont disparu au profit d'une multitude de petites seigneuries. L'Occitanie est alors une région quasiment indépendante et les comtes qui dirigent celle-ci délèguent eux-mêmes des sous-parties de leurs propriétés à des vicomtes qui deviennent eux-mêmes indépendants. On voit alors l'émergence d'une vie sociale qui se déploie à partir de châteaux. Château n'est pas à prendre ici au sens littéral. C'est plutôt un type d'organisation. C'est une forme d'habitat groupé et fortifié, des bourgades perchées, cerclées de murailles autour d'une vieille tour féodale ou d'un édifice religieux catholique, mais dans lequel les trois ordres de la société, ceux qui combattent, ceux qui prient et ceux qui travaillent, d'ordinaire séparés, cohabitent et se mêlent. Caste aristocratique appauvrie, paysannerie aisée, mais aussi artisans, forgerons, notaires, changeurs et commerçants, les différentes classes de la société y sont devenues presque indiscernables. C'est un lieu de tolérance pour les autres religions également. Ceux qui sont pourchassés ailleurs, les juifs en particulier, y trouvent un abri. Cela fait partie des choses que la papauté reproche au comté de Toulouse. Ces châteaux échappent au pouvoir de l'Église comme au pouvoir du roi, au point que les comtes hostiles à l'hérésie se sentent eux-mêmes impuissants à agir. Ainsi, le comte de Toulouse, Raymond V, écrit au chapitre général de l'ordre de Cîteaux qu'il ne peut rien faire pour empêcher l'hérésie de se propager. Les forces me manquent pour mener à bien une affaire si vaste et si difficile. J'engage le roi de France à venir, persuadé que sa présence pourra contribuer à déraciner de si grands maux. Quand il sera là, je lui ouvrirai les villes, je livrerai villages et châteaux à sa discrétion, je lui montrerai les hérétiques, et partout où il en aura besoin, je le seconderai jusqu'à l'effusion de mon propre sang pour exterminer tous les ennemis de Jésus-Christ. En 1178, une mission pontificale menée par le légat du pape Pierre de Saint-Chrysogone et l'abbé de Clairvaux, Henri de Marcy, est envoyée dans la cité de Toulouse. C'est un échec cuisant. Les deux compères sont très mal accueillis par la population qui les injurie, les montre du doigt, les traite d'hypocrites et même d'hérétiques. Ils doivent se contenter de l'arrestation d'un vieillard, Pierre Morand, soupçonné de promulguer des idées contraires au dogme. On lui demande ce qu'il pense des sacrements de l'autel. Pierre Morand dit qu'il ne croit pas que le pain consacré soit le corps du Christ. L'abbé et le légat le déshabillent en public et le font traverser la cité en caleçon et sans chaussures, en le frappant de verges. Devant des démonstrations d'autorité aussi lamentables. On ne s'étonne pas de voir l'influence de l'Église diminuer un peu plus chaque jour, chaque mois, chaque année.
au troisième concile de Latran, en 1179, le pape Alexandre III lance un anathème désespéré. La damnable perversité des hérétiques, que l'on nomme tantôt cathares, tantôt autrement, a fait tant de progrès dans la Gascogne, l'Albigeois, le pays de Toulouse et ailleurs, qu'ils exercent leurs méfaits, non plus en secret, mais qu'ils proclament publiquement leur erreur et qu'ils font des adeptes chez les simples et les faibles. Cela va changer en 1198 avec l'élection d'un nouveau pape beaucoup plus zélé, Innocent III. Innocent III est décidé à lutter contre l'hérésie et dès sa nomination, il envoie une lettre à l'archevêque d'Auch, Bernard III de Sédirac. « Si c'était nécessaire, lui écrit Innocent III, faites-les contraindre par la force du glaive matériel au moyen des princes et des peuples. » L'archevêque d'Auch traîne des pieds. Le pape insiste également auprès du roi de France pour qu'il intervienne. « Confisquez les biens des comtes, des barons et des citoyens qui ne voudraient pas éliminer l'hérésie de leur terre ou qui oseraient l'entretenir, écrit-il à Philippe Auguste, ne tardez pas à rattacher leur pays tout entier au domaine royal. » En vain. Le roi n'a pas le temps et surtout il n'a pas les moyens. Philippe Auguste est suffisamment occupé par sa guerre contre le roi d'Angleterre, Jean sans Terre. Une guerre dans laquelle Innocent III aimerait bien mettre son nez, parce qu'il la juge non seulement inutile, mais carrément nuisible. Elle se joue entre deux défenseurs de la chrétienté, alors que les croisades exigeraient l'union de tous. Pendant un bon moment, malgré les efforts d'Innocent III, la lutte contre l'hérésie va continuer à échouer. Une dernière tentative de convertir les hérétiques par la persuasion est réalisée en 1205 par l'Espagnol Dominique de Guzman, fondateur de l'Ordre des Frères Prêcheurs, le futur Saint-Dominique. Encore une star, une superstar même. Dominique est très différent des légats pleins de pompe et de morgue que le pape envoie à Toulouse. Il est habillé pauvrement et d'une apparence douce et humble. Pas bête, pour convertir des hérétiques qui détestent les richesses de l'Église, préférable de leur ressembler. Comme pour Saint Bernard, les hérétiques du Languedoc lui font un bon accueil. Il l'écoute, mais il ne se repente pas. Entre 1205 et 1208, Dominique arrive à ramener dans le giron de l'Église une centaine d'hérétiques à tout casser. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Le temps n'est plus aux petites victoires, tant cette hérésie continue à se propager de château en château. Lui-même perd patience. Selon des propos rapportés par Étienne de Salagnac, Saint-Dominique aurait dit « Depuis plusieurs années, je vous ai fait entendre des paroles de paix, j'ai prêché, j'ai supplié, j'ai pleuré, mais comme on dit vulgairement en Espagne, là où ne vaut la bénédiction, vaudra le bâton. Nous exciterons contre vous les princes et les prélats, et ceux-ci, hélas, convoqueront nations et peuples, et un grand nombre périra par le glaive. C'est ainsi que prévaudra la force, là où la douceur a échoué. » Un épisode assez obscur va avoir lieu sur les terres des comtes de Toulouse et qui servira, volontairement ou non, les desseins du pape. Depuis 1199, Innocent III avait promulgué que l'Église priverait de ses biens tout seigneur coupable du crime de complicité avec l'hérésie. Trois légats du pape sont envoyés sur place pour dresser des procès. Ils s'intéressent plus particulièrement au comte Raymond VI, le fils de Raymond V. Jugé coupable de protéger les hérétiques. Et le 14 janvier 1208, l'un des trois légats, le moine cistercien Pierre de Castelnau, est assassiné par un inconnu. Qui a tué Pierre de Castelnau? On ne sait pas. Raymond VI plaidera toujours son innocence. On ne retrouvera pas le tueur. La chronique de Guillaume de Puylaurens dit juste « Pierre de Castelnau, frappé par le glaive des impies, rendit son âme à Dieu. » Le comte de Toulouse ne fut pas exempt de soupçons dans cette affaire. Et dans la chanson de la croisade albigeoise, écrite en Languedoc entre 1208 et 1219, on peut lire « Un écuyer de mauvaise intention et désireux de gagner la faveur du comte s'en vint derrière lui et le tua par traîtrise, puis s'enfuit au grand galop jusqu'à Beaucaire, qui était son pays et celui de ses pères. » Reste qu'Innocent III a obtenu l'élément qui lui manquait pour légitimer une riposte hors du commun. Le roi Philippe Auguste autorise enfin 500 chevaliers à prendre la croix contre les hérétiques. Ce sera la croisade contre les Albigeois, qu'Innocent III présente comme plus dangereux encore que les Sarrasins. La première croisade qui se déroulera sur le territoire de la chrétienté occidentale. Elle durera 20 ans, de 1209 à 1229. Le pouvoir spirituel
est assuré par l'abbé de Cîteaux et légat du pape Arnaud Amaury, qui finira par nommer chef de la croisade un certain Simon de Montfort. L'armée quitte Lyon en 1209 en direction des terres de Raymond VI. Devant les croisés, le comte de Toulouse n'emmène pas large. Il se soumet à Saint-Gilles le 18 juin 1209. Il est humilié à la manière du vieillard Pierre Morand. On le déshabille jusqu'à la ceinture et le légat le fouette devant la population. Ensuite de quoi, Raymond reçoit l'absolution et surtout l'autorisation de se croiser lui-même contre ses propres sujets. Le 22 juillet 1209, c'est le siège de Béziers. On met le feu à la ville qui va flamber pendant 2 jours. Dans le rapport adressé à Innocent III, on parle de 20 000 morts en une journée. Hommes, femmes, enfants, vieillards. 20 000 morts. Ces chiffres n'ont cessé de varier. On les fait parfois monter jusqu'à 100 000, parfois descendre jusqu'à 7 000. Pierre Desvaux de Cernay, chroniqueur favorable à la croisade, estime le nombre de victimes à 60 000, dont 7 000 massacrés dans la seule église de Sainte-Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Le 22 juillet est d'ailleurs son jour consacré. La ville fut prise le jour de la fête de Sainte-Marie-Madeleine, jubile Pierre Desvaux de Cernay. Oh, très juste mesure de la volonté divine. C'est cette même Madeleine qui, suivant les hérétiques, aurait été la concubine du Christ. Marie-Madeleine, concubine du Christ. Ça vous rappelle pas quelque chose? Que ces chiffres aient été exagérés ou au contraire atténués. Ce qui n'est pas douteux, c'est que les croisés ont exterminé ce jour-là la population d'une ville entière. Et ça tombe bien. Le légat Arnaud Amaury voulait un massacre exemplaire, destiné à propager l'effroi dans tout le pays. C'est lors du siège de Béziers que celui-ci aurait prononcé la fameuse phrase « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Cette phrase se retrouve chez Césaire de Esterbach, un moine cistérien allemand, dans son livre « Des miracles et des visions de mon temps », écrit entre 1219 et 1223. « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Certains historiens considèrent que la phrase est apocryphe, d'autres qu'elle est vraisemblable. On ne sait pas. Cependant, on possède une lettre écrite par Arnaud Amaury à Innocent III et qui ne vaut pas beaucoup mieux. Qu'on en juge. Les nôtres, n'épargnant ni le sang, ni le sexe, ni l'âge, ont fait périr par l'épée environ 20 000 personnes et après un énorme massacre des ennemis, toute la cité a été pillée et brûlée. La vengeance divine a fait merveille. Puis c'est le siège de Minerve, en juillet 1210. Avant d'entrer, Arnaud Amaury dit au chevalier que ceux qui alors renieraient l'hérésie devaient avoir la vie sauve. Le croisé, Robert de Mauvoisin, proteste et déclare qu'ils sont venus tuer les hérétiques, pas leur faire grâce. Arnaud Amaury, qui a toujours le mot pour rire, lui répond « N'ayez aucune crainte, bien peu se convertiront ». Les croisés dressent un bûcher dans le lit d'un ravin et plongent 140 hommes et femmes dans les flammes. Ça vous semble incroyable? Ça l'est. Puis le 3 mai 1211, c'est la prise de Lavore, un château qui est alors dirigé par Guiraud, une femme jeune et cultivée, qui refuse de livrer son peuple aux armes des croisés, alors que sur des bûchers brûlent, selon les sources, entre 300 et 400 habitants. Une dizaine de croisés la violent l'un après l'autre, puis la jettent dans un puits qu'ils remplissent ensuite de pierres. Quant à Dame Guiraud, elle fut jetée au puits, dit la chanson de la croisade albigeoise, et couverte de pierres. Grand dommage et péché, car nul homme en ce siècle, sachez la vérité, ne partit de chez elle sans être rassasié. Vous avez envie de vomir? C'est normal. Imposer le culte d'un homme ou d'un dieu, ayant demandé aux autres hommes de ne pas répondre à la violence par la violence, en plongeant des mauvais croyants dans les flammes et en violant des femmes, ce n'est pas une simple contradiction. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose de littéralement insupportable. Mais ce n'est pas non plus inexplicable. Comme le dit Simone Veil, un tel événement découle de l'impunité, non seulement matérielle, mais carrément spirituelle, dont bénéficient alors les croisés. Je cite Simone Veil. L'Église cherchait à obtenir l'unité religieuse. Elle met en action le ressort le plus simple, en promettant le pardon des péchés aux combattants et le salut inconditionnel à ceux qui tomberaient.
La licence constitue le grand attrait de toutes les luttes armées. Quelle puissante ivresse doit être la licence poussée à ce degré, l'impunité et même l'approbation assurée dans ce monde et dans l'autre, à n'importe quel degré de cruauté et de perfidie. Les croisés ne tuent d'ailleurs pas que des hérétiques. Ce serait un peu trop technique. Ils massacrent tout ce qui bouge. Simon de Montfort est inarrêtable. Il porte même la guerre sur des terres où il n'y a, a priori, jamais eu d'hérésie. Le Comminges, la Bigorre, la Provence. Il pille et brûle l'abbaye catholique de Moissac. Son abbé s'en plaindra auprès de Philippe Auguste. Faut comprendre Simon, l'abbé. Une fois qu'on a commencé à tuer, c'est dur de s'arrêter. Bien entendu, il y a des hauts et des bas. À Mongers, des croisés allemands connaissent une première défaite et sont massacrés par les troupes du comte de Foix, Raymond Roger, un allié solide des hérétiques, dont ils partagent les convictions. Sa femme Philippa et sa sœur Esclarmonde ont des rôles importants dans le clergé de cette hérésie. Du 16 au 29 juin 1211, c'est le premier siège de Toulouse. Et c'est une défaite pour Simon de Montfort, qui s'enfuit, qui s'enferme dans Castelnaudary. Il est alors assiégé par le comte de Foix et par Raymond VI, le comte de Toulouse, qui, au vu des récents événements, s'est à nouveau rallié aux hérétiques. Mais ils ne parviennent pas à le déloger. Raymond Roger est défait par les croisés au cours de la bataille de Saint-Martin-la-Lande. Raymond VI s'exile en Angleterre. Le 8 septembre 1212, avec l'arrivée de nouveaux contingents, Simon de Montfort reprend une à une un grand nombre des cités de l'Albigeois et du Quercy. Il ravage le comté de Foix en 1214 et il entre en vainqueur à Toulouse. Il ne profitera pas de ses victoires très longtemps. Entre mai et août 1216, c'est le fils de Raymond VI, le futur Raymond VII, qui débarque à Marseille, c'est Marseille bébé, et assiège Beaucaire. Simon de Montfort part le combattre. La population de Toulouse en profite alors pour se soulever. Deuxième siège de Toulouse, qui commence le 13 septembre 1217. Mais le 25 juin 1218, Simon de Montfort meurt, tué par une pierre lancée par un groupe de femmes. Bravo. Oh, no, she didn't. Que dit la chanson de la croisade albigeoise ? Il y avait dans cette ville un pierrier, dû à un charpentier qui fut tiré de Saint-Cernin jusqu'au chemin de ronde par des dames, des enfants, des femmes mariées. Et le boulet s'en vint tout droit où il fallait, frappant le comte sous le haume d'acier, si fort qu'il vint lui fracasser le cerveau et les yeux, et mit en pièces son front, sa mâchoire et ses dents. Le comte chut mort à terre, visage noir, tout en sang. Simon de Montfort étant mort, tous ceux de la cité eurent alors ce bonheur que les ténèbres s'éclaircirent, la lumière surgit qui fait éclore graines et fleurs, la joie due à la pierre qui avait tué le comte. Courte joie également. Son fils Amaury lui succède à la tête de la croisade. Il assiège Marmande. Toute la population est massacrée, 5000 personnes, et la ville est incendiée pour donner l'exemple. Le combat des Montfort peut continuer. Mais Amaury, moins doué ou moins chanceux, perd une à une toutes les conquêtes de son père. Si bien qu'en février 1224, il cède ses droits au nouveau roi de France, Louis VIII, dit le Lion. L'apparition de ce nouveau roi, marié à Blanche de Castille, une femme très pieuse, est une bonne nouvelle pour l'Église. Le Lion est nommé chef d'une nouvelle croisade par le pape Honorius III, qui a succédé à Innocent III. Il part le 30 janvier 1226 et il enchaîne victoire sur victoire. La résistance s'effondre. Carcassonne, Béziers, Nîmes et Beaucaire rentrent dans le royaume de France sous la forme d'une sénéchaussée. Colonisés, les habitants de ces régions vont alors être soumis à des dirigeants qui ne parlent même pas leur langue. Le roi ne survit pas longtemps non plus à cette succession de victoires honteuses. Il contracte une maladie dont il meurt en octobre. En 1229, on oblige Raymond VII à se soumettre à son fils, Louis IX, le nouveau roi, qu'on connaîtra sous le nom de Saint-Louis. Tu parles d'un saint. Et Raymond VII se trouve ainsi contraint à donner Jeanne, sa fille et unique héritière, en épouse au frère de Louis IX. Le temps de la croisade est passé, avec ses villes détruites et leur population massacrée. Mais l'hérésie n'est pas encore morte. Elle continue à se propager en secret. Il s'agit désormais pour l'Église de l'éradiquer intégralement et définitivement. Un nouveau pape, Grégoire IX publie la constitution Excommunicamus. Excommunicado. Elle prescrit la détention à vie pour les hérétiques repentis et la peine de mort pour les hérétiques obstinés. Et il crée l'Inquisition. La guerre avait réduit l'hérésie à la clandestinité en détruisant son cadre
et en la privant de ses protecteurs naturels, les comtes et les seigneurs occitans. L'Inquisition, épaulée par la monarchie française, n'aura ensuite qu'à passer la population au crible de la persécution. Quel enfer! Pendant que l'Inquisition s'emploie à traquer l'hérésie, la résistance cathare s'organise. C'est en 1232 que la forteresse de Montségur, à plus de 1200 mètres d'altitude, devient le principal lieu de refuge des hérétiques pourchassés. En 1233, les inquisiteurs Guillaume Arnaud et Étienne de Saint-Tibéri arrivent dans le Lauragais. Et c'est 10 ans plus tard, en mai 1243, qu'une armée, levée par le sénéchal Hugues des Arcis, commence le siège de Montségur. Un siège qui durera 10 mois et s'achèvera par de grands bûchers où les hérétiques seront brûlés le 16 mars 1244. C'est presque fini. Il y aura de nouvelles enquêtes à Carcassonne et à Toulouse à partir de 1305. L'Inquisition ne s'arrête plus aux hérétiques du Languedoc, trop peu nombreux, mais s'occupe également des Juifs, désormais considérés comme indésirables, et des béguines, ces femmes religieuses non cloîtrées, jugées beaucoup trop libres. En 1321, on traque même les lépreux, qu'on accuse de vouloir empoisonner les puits et de participer à un complot contre les chrétiens aux côtés des Juifs et des Sarrasins. Là aussi, quand on a commencé ce genre de truc, c'est difficile de s'arrêter. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hé hey, qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos 13 sages anciens? Je les ai tous fusillés! Anne Brenon estime à 3000 le nombre de peines de mort prononcées par ces juridictions ecclésiastiques. De 1318 à 1325, l'inquisiteur ariégeois Jacques Fournier, qui deviendra pape sous le nom de Benoît XII, s'installe dans le siège épiscopal de Pamiers et commence à mener des enquêtes en comté de Foix. Ces enquêtes vont permettre à l'Église d'identifier la dernière petite communauté occitane clandestine, celle de Pierre Autier, dont on va brûler tous les membres jusqu'à celui qu'on appellera le dernier cathare, Guillaume Bélibast, arrêté et brûlé à Villerouge-Terménès en 1321. Toute atroce soit-elle, ces enquêtes, publiées en 1965 par Jean Duvernois, vont représenter pour nous une documentation exceptionnelle sur les derniers temps de cette hérésie. Ce registre d'inquisition va nous permettre de connaître enfin, un petit peu, ces personnes que l'Église et le Royaume de France se seront acharnés à traquer et à exterminer pendant plus d'un siècle. Combien de victimes ont fait réunir la croisade et l'inquisition ? Certains avancent le chiffre d'un, voire de 2 millions de morts. D'autres affirment que ces chiffres sont très exagérés. La réalité, nous ne la savons pas. Il faudra attendre 700 ans pour qu'un évêché catholique présente des excuses publiques pour ces massacres. Le 16 octobre 2016, l'évêque de Pamiers, au nom des catholiques de l'Ariège, demandera pardon pour le bûcher de Montségur. Très bien. Mais tout ça ne répond pas vraiment à deux questions très importantes. Qui étaient ces hommes et que croyaient-ils de si contraire aux dogmes et de si dangereux pour qu'on ait procédé à leur extermination? J'ai lu beaucoup de livres depuis pas mal d'années sur ces sujets. J'ai commencé à m'y intéresser par Simone Veil, parce que Simone Veil, la philosophe, avait écrit une lettre à Déodat Rocher qui en parlait. Déodat Rocher, c'était le directeur de cahier d'études cathare. C'est un type des années 30, mais il a vécu assez vieux. Donc il a continué, après-guerre, à s'intéresser à la pensée de ces hommes du Sud-Ouest. Il y a aussi René Nelly, il a écrit pas seulement sur les cathares, sur la philosophie cathare, sur le phénomène cathare, mais également sur beaucoup d'autres phénomènes occitans, comme les troubadours, comme la poésie occitane. Mais il a écrit des très beaux livres sur ces cathares. Il y a un type qui est Michel Rocbert, qui lui a fait une histoire de l'extermination des cathares, qui est en 7 volumes de plusieurs centaines de pages. C'est absolument remarquable. La croisade et l'Inquisition. Il y a aussi Jean Duvernois. Jean Duvernois, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait rechercher les registres de l'Inquisition. Et donc, il nous a permis de lire, il a édité tous les registres de l'Inquisition, en particulier ceux de Jacques Fournier, l'inquisiteur Jacques Fournier, qui va devenir pape sous le nom de Benoît XII, et qui concerne ce qu'on appelle la dernière communauté cathare, le dernier petit groupe qui aura été sous le feu de l'Inquisition et qui va devoir avouer, et les gens autour. C'est des textes qui sont vraiment bouleversants. C'est des morceaux de vie qu'on n'imagine pas. Et c'est une vision du monde qu'on n'imagine pas.
Et moi, je les ai trouvés mais vraiment incroyables. Et puis, il y a aussi une très grande historienne d'aujourd'hui, qui est Anne Brennon. Anne Brennon, elle a écrit un grand nombre de livres passionnants sur les cathares. On peut m'accuser d'anachronisme, parce que j'aime bien l'anachronisme. Et j'aime bien utiliser des termes modernes pour parler des choses du passé. Mais quand je lis des textes sur ces hérétiques du Sud-Ouest, j'ai l'impression d'être dans un anachronisme. Je me dis, c'est incroyable. C'est totalement incroyable. C'est ça que j'avais envie de raconter. C'est ça que j'ai envie de raconter avec cette histoire. J'ai l'air d'insister, mais la folie que représente une religion qui prône l'amour du prochain et qui, pour ce faire, doit exterminer tous ceux qui ne croient pas comme elle. Sur le moment, elle estime que c'est une grande victoire, mais c'est un échec cuisant. C'est inouï qu'au moment où il n'ait pas réussi à les persuader, il soit obligé de les tuer. Quand bien même ils ne prendraient pas l'amour du prochain, c'est un échec cuisant. Normalement, à ce moment-là, ce qu'ils veulent, c'est des conversions. Si ils n'obtiennent pas de conversion et qu'ils sont obligés de les menacer, et que ça ne marche toujours pas, les types préfèrent mourir plutôt que de se convertir. Mais à quel degré d'échec, à quel degré de nullité crasse l'Église de Rome est arrivée? Comme souvent, cet épisode, il est en deux parties. Mais dans un premier temps, on a vu l'histoire. L'histoire de cette conquête honteuse des territoires au sud-ouest de la France. Mais ce qui est intéressant, c'est qui étaient ces hommes et pourquoi ils représentaient un danger. Ils représentaient un danger pas seulement parce qu'ils étaient là et qu'ils ne voulaient pas faire comme les autres. Ils représentaient un danger parce que ce qu'ils proposaient au monde était incroyablement plus consistant, incroyablement plus juste, incroyablement plus enviable. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement des victimes, ce n'est pas juste des victimes, c'est aussi des êtres extraordinaires. C'est très paradoxal, la façon dont les humains pensent. On l'a vu avec la façon dont ils se sont appropriés le peuple des Troyens, et dont ils ont tous voulu, Romains, Français, être des Troyens. Ils voulaient être les victimes, les perdants magnifiques de la guerre de Troie. Mais pour imposer derrière un joug épouvantable au peuple qu'ils soumettaient, ça s'est passé un peu de la même façon pour l'Église de Rome. Ils ont en adoration quelqu'un qui prône la non-violence, mais ils veulent le faire adorer par la violence. Ils sont dans une contradiction interne qui est insoluble, absolument insoluble, et qui doit être insupportable. Et quand ils rencontrent quelqu'un qui est dans la cohérence, qui est dans ce que Antonin Artaud appelle la vie unitaire, l'unité de l'esprit, ce qui veut dire en fait que tu vis comme tu penses, que tu es pareillement dans ta tête, et dans tes actes avec les autres hommes. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. Ça, pour les gens qui vivent dans la contradiction, c'est insupportable. Je ne comprends pas comment le légat du pape était tellement pris par son goût du pouvoir qu'il ne se soit pas rendu compte qu'il lui était largement préférable de l'abandonner pour vivre avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut dire pour tout. C'est-à-dire, le pouvoir rend vraiment fou. Le pouvoir rend vraiment, vraiment, vraiment fou. Là où le pouvoir rend fou, c'est que les gens qui ont du pouvoir ne se rendent pas compte qu'ils seraient plus heureux, non seulement s'ils n'exerçaient pas le pouvoir sur les autres, mais s'ils vivaient comme les autres. Tout d'abord, on rappellera que ceux-ci ne se sont jamais appelés cathares ni albigeois. Ils ne se considéraient pas comme des hérétiques, ce qui serait évidemment absurde, mais comme des chrétiens, de bons chrétiens, ou des amis de Dieu. Amis de Dieu, c'est un terme qu'on va retrouver dans la plupart des registres de l'Inquisition, comme dans les chroniques. Ils étaient divisés en deux catégories, les simples croyants et ceux que l'Église de Rome appellera les parfaits. Parfaits, pas dans le sens de la perfection morale, dans le sens d'hérétiques parfaits, complets, impénitents, impossibles à remettre sur le droit chemin. Ceux-ci ne se sont jamais appelés eux-mêmes parfaits, mais bons hommes et bonnes femmes. Les bons hommes officient comme une sorte de clergé, mais ils ne sont pas organisés. Ce sont des sages, ordonnés individuellement, par la pratique du consolamentum, qui se donne par imposition des mains et qui fait passer du statut de simple croyant à celui de bonhomme ou de bonne femme. Ils ont une liturgie extrêmement simplifiée. Pas de temple, très peu de rituels. Ils considèrent que les pratiques et sacrements instaurés par l'Église, comme ceux du baptême ou du mariage, n'ont aucune valeur. Les cérémonies se déroulent dans de simples maisons. Ils croient en la divinité de Jésus, mais ils détestent la croix. Comme le dira Pierre de Gaillac, un jeune notaire de Tarascon-sur-Ariège, dans sa déposition devant l'Inquisition, à ce qu'il disait, personne ne doit adorer la croix, puisque sous la croix Dieu a souffert. Si un homme est pendu à un arbre, cet arbre deviendrait à jamais, pour ses parents et ses amis, un objet de haine. De même, le lieu où Dieu fut pendu, nous devrions l'avoir en haine. Parmi les bons hommes, on trouve de tout. Des petits seigneurs et châtelains, mais aussi des servantes,
des écuyers, des artisans, des commerçants, des médecins et des vilains. Les femmes ont une place très importante. Les bonnes femmes sont admirées et laisseront un souvenir marquant chez croyants et sympathisants, ainsi que dans les chroniques. Guilhem de Tonneins, Blanche de Lorac, Ermengarde d'Isarne, Esclarmonde de Foix et Philippa, la femme du comte Raymond Roger. La place nous manque pour les évoquer ici plus en détail. Tous les citoyens ne sont pas soumis à la même exigence, loin de là. L'exigence est forte pour les bons hommes, la tolérance grande pour les simples croyants. Ce ne sont pas non plus deux castes séparées. Les bons hommes ne sont pas essentiellement différents des autres. Ce sont des croyants qui ont dépassé les passions qui les enchaînaient à l'existence. C'est alors qu'un bon homme ou une bonne femme leur donne le consolamentum, le baptême par imposition des mains qui les fait changer de statut. Les bons hommes ou bonnes femmes ont souvent eu une vie amoureuse et même familiale pleinement remplie avant ce nouvel état. Quels étaient leurs textes sacrés ? On ne sait pas bien. Certains disent qu'ils ne conservaient de la Bible que l'évangile de Jean. D'autres qu'ils suivaient la Bible tout entière. Certains disent qu'ils avaient une forme aménagée de christianisme. D'autres, une spiritualité tout autre. On a conservé très peu d'écrits qui nous permettraient de mieux connaître leur foi. Ils possédaient un fragment d'écrit apocryphe nommé l'Ascension d'Isaïe, un fragment d'un autre apocryphe qu'on appelle la Scène secrète. On a retrouvé un traité doctrinal du XIIIe siècle, le Livre des deux principes, écrit par un théologien italien qui leur est apparenté, Jean de Luge, un traité anonyme qui accompagne le pamphlet contre les manichéens attribué à Durand de Huesca et daté de 1222 ou 1224, et trois rituels, celui de Lyon, celui de Florence et celui de Dublin. On est obligé de composer avec ce peu d'écrits que nous possédons d'eux et des témoignages, tous sujets à caution puisqu'ils ont été recueillis par leurs adversaires. Malgré tout, il y a tant de points convergents entre les témoignages et les écrits et fragments retrouvés qu'on peut esquisser une idée de la philosophie cathare, comme l'appelait René Nelly. On va voir à quel point elle peut ressembler ou s'apparenter à celle des 100 rois. Tout d'abord, les bons hommes s'accordent sur l'idée d'un monde soumis à deux principes antagonistes, que ceux-ci soient vus comme Dieu et le diable ou comme un dieu et un démiurge, un dieu mauvais à la manière des 100 rois. Le dieu bon n'a pas de pouvoir sur ce monde. Ce monde est entièrement la fabrication du dieu mauvais. Dieu mauvais qui est également l'auteur des corps et de tout ce qui est matière. Il est absolument impossible de croire que le Seigneur vrai Dieu a créé, directement et dans le principe, les ténèbres et le mal, peut-on lire dans le Livre des deux principes. Comment le vrai Créateur aurait-il pu, en ce monde visible, vouer sans miséricorde à la mort la plus cruelle des petits-enfants? Puisque Dieu n'a pas le pouvoir de faire apparaître le mal, nous devons croire fermement qu'il y a un autre principe qui, lui, est puissant dans le mal. Dieu est très bon, dira également Pierre Garcias devant l'Inquisition. Or, dans le monde, rien n'est bon. C'est donc qu'il n'a rien fait de ce qui existe dans ce monde. À ces deux principes, ou deux dieux, correspondent deux églises. L'église de Rome, peut-on lire dans le rituel de Dublin, n'est pas persécutée, ni pour le bien, ni pour la justice qu'il y aurait en elle. Mais au contraire, c'est elle qui persécute et met à mort quiconque ne veut consentir à ses péchés et ses forfaitures. Et elle est seigneurie sur les cités et les bourgs et les provinces, et elle siège majestueusement dans les pompes de ce monde. Elle n'est nullement comme les brebis parmi les loups, mais comme les loups parmi les brebis. Et elle fait tout pour imposer son empire sur les païens, les juifs et les gentils. Elle persécute et met à mort la Sainte Église du Christ, laquelle souffre toute en patience. C'est aussi ce que professera le bonhomme Pierre Autier, de la dernière église persécutée, comme le dira Pierre Maury dans sa déposition devant l'Inquisition. Il y a deux églises. L'une fuit et pardonne, l'autre possède et écorche. C'est celle qui fuit et pardonne, qui tient la droite voie des apôtres. Elle ne ment ni ne trompe. Et cette église qui possède et écorche, c'est l'église romaine. L'église des bons hommes, qui fuit et pardonne, n'a besoin d'aucun bâtiment, aucun temple. Elle réside dans le cœur de l'homme. Cette église n'est pas de pierre, ni de bois, ni de rien qui ne soit fait de main d'homme, est-il écrit dans le rituel de Dublin. Celui qu'on a appelé le dernier cathare, Guillaume Bellibaste, dira la même chose. C'est le cœur de l'homme qui est l'église de Dieu. Comment ces hommes de culture chrétienne sont-ils arrivés à une telle conception du monde? L'ont-ils trouvé par eux-mêmes, à travers leur compréhension particulière de la parole de Jésus, ou sont-ils les descendants d'une lignée d'hérétiques qu'on pourrait retracer scientifiquement? C'est sans doute le point le plus litigieux, celui sur lequel les historiens s'entendent le moins. Reste qu'il est difficile, voire impossible, de parler des bons hommes si on n'évoque pas l'ombre
qui terrifiait les pères de l'Église au point de traquer toutes ses possibles résurgences. L'ombre du prophète Mani. Mani est le fondateur de la plus puissante des hérésies, celle dite manichéenne, et qui s'est répandue à partir du 3e siècle dans toute la péninsule arabique et jusqu'aux Ouïghours en Chine, que les diverses autorités mettront plusieurs siècles à combattre, convertir ou éradiquer. C'est dès 1163 qu'Egbert de Schönau, au moment même où il utilise le mot « cathare », déclare que les cathares descendent directement de Mani. Ceux qui sont appelés cathares aujourd'hui descendent de certains disciples de Mani qu'on appelait jadis les catharistes. Alors qui est Mani ? Mani est né en 216 dans l'Empire romain d'Orient, à Ctésiphon, dans l'actuel Irak. Infirme de la jambe droite, il est élevé dans une communauté judéo-chrétienne. Mais on dit de Mani qu'il s'en détache rapidement. Il se méfie du caractère trop dogmatique de celle-ci, qui favoriserait, selon lui, une forme extériorisée de spiritualité au lieu de se concentrer sur la recherche du contact direct avec la divinité. Mani reçoit deux révélations, une à 12 et une à 24 ans, de Altaoun, son double ou son jumeau céleste. Altaoun lui indique le combat auquel l'être humain ne peut pas se soustraire, celui de la lumière et des ténèbres. Dès lors, il ne va cesser de voyager, dans l'objectif d'étudier le judaïsme, le christianisme, le zoroastrisme et le bouddhisme, afin de recueillir les éclats de lumière décelables dans les cultes des hommes. Lorsque le roi Bahram Ier, inquiet de son influence, le jette dans les geôles de Bellapath, malgré son martyre, par un scellement progressif des fers entre lesquels il est tenu prisonnier et par lequel il mourra entre 274 et 277, Mani expliquera au souverain « Chaque humain reste et demeure là où il se conduit lui-même. Chacun va en conséquence de ses propres œuvres. Ainsi va et revient-il, encore et encore, en faisant de ses actes son destin. » Les chrétiens auront réussi quelque chose de très fort. Ils auront réussi à corrompre le langage, en faisant de manichéen un adjectif péjoratif, évoquant une étroitesse d'esprit et une intolérance confinant à la bêtise, alors que la doctrine de Mani en était l'exact opposé. Les manichéens considéraient que la lumière et les ténèbres étaient des principes qui étaient séparés dans le moment initial et qui se sépareraient à nouveau au moment final, mais que le moment médian, notre moment, était toujours le lieu de leur mélange. Qu'il y avait donc de la lumière et de l'obscurité dans chaque homme, de la lumière et de l'obscurité dans chaque doctrine, de la lumière et de l'obscurité dans chaque tradition. Ce qui explique leur non-violence et leur œcuménisme, pour prendre des termes d'aujourd'hui, mais aussi leur sens très fort de la beauté. Abou Shakur Salimi décrira les manichéens chinois adorant le soleil, l'eau, les arbres, les plantes, les animaux. Parce que dans tout être beau, je cite, « la divinité de lumière a pris demeure ». Et c'est pourquoi Henri Corbin renommera le manichéisme la religion de la beauté. On sait comment saint Augustin, ancien coreligionnaire repenti, présentait les manichéens. Il déteste le mariage et pratique l'amour libre. Je cite saint Augustin. Leur objet avoué est de dissoudre, par la concupiscence dans les deux sexes, les principes des ténèbres, afin que la substance divine tenue captive en eux puisse se libérer et s'enfuir. Ils ne boivent pas d'alcool et ne mangent pas de viande. Ils ne se nourrissent pas de chair, parce que la substance divine serait déjà enfuie de ce qui est mort ou de ce qui a été tué. Un des reproches constants que les chrétiens feront aux bons hommes tiendra au fait qu'ils s'abstiennent de manger de la viande et des œufs, et en général de toute nourriture d'origine animale, à l'exception du poisson. Ceux qui furent pendus à Goslar avaient refusé de tuer un poulet. Ne jamais manger, sciemment et volontairement, du fromage, du lait, des œufs, ni de la chair d'oiseaux, de reptiles ou de bêtes prohibées par l'Église de Dieu, exige d'ailleurs le rituel de Florence. Il a été maintes fois rapporté que les bons hommes délivraient les animaux des pièges tendus par les chasseurs, mais qu'ils déposaient alors une pièce de monnaie pour que ces derniers ne se sentent pas économiquement lésés par eux. On l'a dit, les bons hommes ne se disaient pas plus manichéens que cathares. Ils n'ont peut-être jamais eu accès à des textes de Mani ou de ses disciples. Ils estimaient être simplement de bons chrétiens et des amis de Dieu. Cependant, le récit des origines est différent de celui d'Église. Très différent. Le récit des origines est celui d'une chute qui a précédé le commencement du monde, la chute des âmes des anges dans des corps, ces vêtements de peau, ces tuniques, puis celle de ces corps dans le monde,
création du diable ou du dieu mauvais. Un monde qu'ils assimilent à l'enfer. Les bons hommes expliquent la présence du mal par une séduction initiale du diable ou du dieu mauvais. Le diable aurait séduit les anges, non par la concupiscence ou par l'idée de désobéissance, mais tout d'abord par le désir du pouvoir. 9 anneaux furent donnés à la race des hommes qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Jean Maury expliquera à l'Inquisition. Le diable leur dit qu'il leur donnerait le commandement des uns sur les autres, et qu'il y en aurait qui seraient rois, comtes ou empereurs. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Arrêtons-nous là-dessus quelques instants. On se souvient que chez saint Augustin, l'origine du mal, le péché originel, vient de la désobéissance de l'homme. À sa suite, cette notion de péché originel est devenue fondamentale pour l'Église de Rome. Chez les bons hommes, le mal viendrait du désir d'exercer son pouvoir sur autrui. Ce sont deux sensibilités très différentes. Une personne à qui cela n'a évidemment pas échappé, c'est Jacques Bainville de l'Action française. Qu'était l'hérésie albigeoise, écrit Bainville dans son Histoire de France. Un mouvement politique, une manifestation de l'esprit révolutionnaire. Il y a toujours eu en France des éléments d'anarchie. D'époque en époque, nous retrouverons ces violentes poussées de révolution, suivies tôt ou tard d'une réaction aussi vive. Et toujours, révolution et réaction ont pris la forme d'une guerre religieuse, d'une lutte d'idées. Par désir de pouvoir, les anges auraient suivi le diable et les auraient enfermés dans des tuniques de chair sur cet enfer qu'est la terre. Mais de cet appétit de pouvoir et de richesse, nul n'est jamais satisfait. C'est ce qu'expliquait le bonhomme Pierrotier. Des richesses que vous donnera Satan, vous ne serez pas satisfait, quoi que vous possédiez. Celui qui aura quelque chose désirera avoir davantage, et vous n'aurez ni trêve ni repos. Vous irez de tunique en tunique, jusqu'à ce que vous soyez revenu dans une tunique, vous serez dans la justice et la vérité, et ainsi vous serez sauvé. Les âmes des anges retourneront toutes au ciel avant la fin du monde. Mais auparavant, celles-ci devront migrer de corps en corps jusqu'à ce qu'elles soient purifiées, jusqu'à ce qu'elles se soient détachées de leur passion. C'est ce que disait Guillaume Bellibaste, d'après Pierre Maury. Je l'ai entendu dire que toute créature faite par le Père Céleste, c'est-à-dire les esprits et les âmes, sera sauvée et qu'aucun d'eux ne périra. Mais ils iront de tunique en tunique jusqu'à ce qu'ils viennent dans un corps où ils arrivent à l'état de vérité et de justice. On peut également citer la déposition de Sébélia Père concernant Pierrotier. Il disait qu'après la fin du monde, toutes les âmes des hommes seront alors en paradis. Il y aura au ciel autant de bonheur pour une âme que pour une autre. Des clercs romains, Pierrotier disait qu'ils étaient aveugles et sourds, car ils ne voyaient ni n'entendaient la voix de Dieu pour le moment. Mais finalement, même à grand-peine, ils viendraient à l'intelligence et à la connaissance de leur Église, dans d'autres corps où ils connaîtraient la vérité. Oui, même les clercs romains. Mais ce n'est pas surprenant. Les bons hommes sont très tolérants. Ils ont pitié des clercs qui les persécutent. Ils ne les haïssent pas. L'Église romaine croit bien faire quand elle nous persécute, disait Guillaume Bellibaste. Elle le fait parce qu'elle ne connaît pas le texte de la vérité. C'est pourquoi un certain Pierre Lafond pourra dire à de bons catholiques, qui le répéteront ensuite à l'Inquisition, « Étant donné que les hérétiques ne font de mal à rien, j'estime que c'est un péché de leur faire du mal. » Une autre conséquence de leur vision du monde est une authentique tolérance sexuelle et qui semblera à la postérité d'autant plus incompréhensible que les bons hommes étaient eux-mêmes ascétiques et qu'ils méprisaient l'acte de chair. D'un côté, ils ont été accusés d'hypocrisie, comme chez Pierre Dévot de Cernay. De l'autre, on a pu entendre de façon répétée que si les hommes de cette région n'avaient pas été exterminés, c'est l'humanité elle-même qui aurait disparu sous leur injonction de ne pas se reproduire. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. C'est une idée totalement ridicule. L'abandon de la sexualité ne concernait que les bons hommes, l'équivalent de leur clergé. Mais ils savaient bien que les âmes des simples croyants, elles, n'étaient pas nécessairement capables de se détacher de leur passion dès cette vie. Et si ceux-ci s'abstenaient de toute violence et de toute cruauté, leur recherche du plaisir sexuel n'était pas considérée comme un péché. Les exemples sont très nombreux. J'en citerai un. Grazidée Lisier, une paysanne de Montaillou, à qui l'inquisiteur Jacques Fournier demande si elle avait l'impression de commettre un péché lorsqu'elle faisait l'amour avec un prêtre libertin avant son mariage. Comme à cette époque cela nous plaisait, à moi et à ce curé,
Je ne croyais pas, il ne me semble pas que c'était un péché. Mais maintenant, comme cela ne me plairait pas si j'étais connu charnellement de lui, j'aurais l'impression de pécher. Croyez-vous que de tels agissements déplaisent à Dieu ? Je n'avais pas mauvaise conscience, et je ne croyais pas que cela puisse déplaire à qui que ce soit que je couche avec ce prêtre, puisque cela lui plaisait, à lui et à moi. René Nelly le dira avec une simplicité magnifique. Le bonhomme devait s'abstenir de tout acte de chair, ou plutôt parvenir à un tel degré de spiritualité qu'il n'eut plus le désir de l'accomplir. Cette vision du monde a également plusieurs autres conséquences, tout à fait logiques, et dans la continuité de la phrase de Jésus, « ne jugez point ». Les bons hommes sont montrés à de nombreuses reprises opposés à l'exécution des peines. Ils étaient en particulier fermement opposés à la peine de mort. « Cette église se garde de tuer et ne consent à aucun meurtre », dit le rituel de Dublin. Comme chez les sans-rois, ce qui compte, c'est de devenir soi-même meilleur, pas de forcer les autres à faire pareil. On peut rappeler la façon dont Jésus parle dans l'évangile de Philippe, un texte retrouvé à Nag Hammadi. Que chacun creuse jusqu'à la racine de la méchanceté et qu'il arrache sa racine dans son cœur. Elle est puissante parce que nous ne la connaissons pas. Comme dit Hélène Pagels, la grande spécialiste du gnosticisme, dans l'origine de Satan, reconnaître le mal en soi est forcément un processus individuel. Aucun de nous ne peut dicter à l'autre ce qui est bon ou mauvais. Au contraire, chacun de nous doit lutter pour prendre conscience de l'état de son âme. Une fois identifiée la source mauvaise de ses actions, l'on perd tout désir de s'y abandonner. Pour faire le mal, laisser libre cours à sa colère, commettre un meurtre ou déclarer une guerre, l'homme a besoin de l'illusion que son action est justifiée, par exemple que la guerre est déclarée pour des raisons justes. C'est parce que les bons hommes avaient arraché la racine de la méchanceté dans leur cœur qu'ils ont été opposés à l'exécution des peines, mais aussi aux conversions forcées, et surtout à toute forme de croisade, que celle-ci soit menée contre eux ou contre les Sarrasins. On a déjà cité les paroles du rituel de Dublin, reprochant à l'Église de Rome de tout faire pour imposer son empire sur les païens, les juifs et les gentils. Mais on entendra également avec émotion les paroles de Pierre Garcias, rapportées en 1244 à l'Inquisition par des moines espions qu'il écoutait à travers le plancher. Il dit que Dieu n'a pas voulu que quelqu'un soit condamné à mort. Et il vitupérait pour cela un prédicateur de la croix qui avait fait se croiser bien 700 personnes à Ovilla, disant qu'il n'était pas bien que les croisés allassent contre les Sarrasins ou encore contre un château comme Montségur quand il était contre l'Église ou contre un quelconque endroit où il puisse y avoir mort d'homme. Les bons hommes, et plus largement la civilisation languedocienne des XIe et XIIe siècles, nous fournissent la preuve que l'idée de tolérance religieuse n'a rien de moderne. C'est d'ailleurs ce que reconnaîtra Simone Veil. Soit que l'on veuille louer, blâmer ou excuser les hommes du Moyen-Âge, on croit volontiers aujourd'hui que l'intolérance était une fatalité de leur époque, comme s'il y avait des fatalités pour les temps et les lieux. Chaque civilisation, comme chaque homme, a la totalité des notions morales à sa disposition et choisit. La preuve en est que les villes du Midi, au XIIe siècle, choisirent autrement. Si l'intolérance l'emporta, c'est seulement parce que les épées de ceux qui avaient choisi l'intolérance furent victorieuses. Oui, il y avait des personnes philosophiquement et même religieusement opposées aux croisades au XIIe siècle. Ceux qui trouvent cette idée anachronique ne comprennent pas que, comme dit Simone Veil, chaque civilisation a la totalité des notions morales à sa disposition et choisit. Je me permettrai donc un anachronisme de plus. Les bons hommes, opposés au pouvoir impérial comme à toute forme de coercition, n'étaient pas seulement anarchistes et révolutionnaires. Ils étaient déjà également anticolonialistes et anti-impérialistes. C'est d'ailleurs dans une conférence anticolonialiste donnée au Mexique le 1er novembre 1936 et intitulée « L'éternelle trahison des Blancs » que le plus grand poète français du XXe siècle, Antonin Artaud, évoquera la croisade contre les Albigeois. Lorsqu'en Europe, il y a eu des guerres de religion, c'est toujours contre l'éternelle unité de l'esprit qu'elles se sont faites. La guerre des Albigeois se fit contre les partisans de la vie unitaire. Enfin, et on arrive au cœur de leur spiritualité. Les bons hommes exercent tous un travail manuel au sein de leur communauté. Même lorsque ce sont des nobles, des individus épargnés par leur naissance de la nécessité de gagner leur vie. Ils se font tisserands, cordonniers, couturiers, chapeliers, tailleurs, charpentiers, meuniers, boulangers, barbiers, médecins. C'est sans doute un des éléments les plus étonnants de cette histoire. Imaginez vicomtes et vicomtesses passer leurs jours à faire du pain ou des chaussures pour les gens de leur village. Et y trouver ce qu'il faut bien appeler leur bonheur. Les bons hommes voyaient le monde comme mauvais.
Mais ce pessimisme cosmique n'entraînait pas une détestation de la vie, bien au contraire. Ce pessimisme entraînait un amour de tout ce qui, dans la vie, échappe à la laideur, à la lourdeur, à la pesanteur. En cela, ils ressemblaient aux manichéens. Ils aimaient tout ce qui lutte sur cette terre pour un peu plus de lumière, un peu plus de vie, un peu plus de bonté, un peu plus de joie. En cela, ils étaient d'authentiques sans-rois. Voilà pourquoi on peut se dire qu'il s'est passé quelque chose d'unique entre le XIe et le XIIe siècle dans le Languedoc, et qui dépasse encore la violence et l'horreur de leur extermination. Il s'est passé qu'il a existé pendant plus d'un siècle, en plein milieu de l'Europe médiévale, une civilisation qui a échappé à l'influence de Rome. Simone Veil le dira très simplement, en janvier 1941, dans une lettre à Déodat Rocher, le directeur des cahiers d'études cathares, un homme qui contribua fortement à faire connaître les cathares, comme on les appelait à l'époque. Seuls, ils ont vraiment échappé à la grossièreté d'esprit, à la bassesse de cœur que la domination romaine a répandue sur de vastes territoires et qui constitue aujourd'hui encore l'atmosphère de l'Europe. Voilà pourquoi bons hommes et bonnes femmes doivent, aujourd'hui comme hier, être célébrés. Voilà pourquoi leur combat est celui de notre liberté. Voilà pourquoi leur vie sociale est notre utopie. C'est fini. Qu'est-ce que cette histoire nous raconte ? Peut-être ceci. L'utopie n'est pas un projet. Ce n'est pas une rêverie. L'utopie est une manière de vivre. Réelle, concrète, simple. Vérifiable dans chaque geste. Et elle a toujours été vécue, un peu partout, à l'écart de ce que nous avons appelé l'histoire. C'est-à-dire à l'écart du pouvoir impérial et de son écriture de la réalité. À l'écart de Rome et de son écriture de la vie. L'utopie a été vécue au Languedoc avant le XIe siècle et même persécutée. Elle a perduré jusqu'à la disparition de son dernier membre au XIIIe siècle. Nous ne pouvons qu'en formuler l'hypothèse, nous ne la connaissons pas vraiment. Nous l'entreapercevons lorsque les conquérants la rencontrent et qu'ils massacrent ceux qui la vivent par leurs croisades, colonies, joues imposées, par leurs guerres. Elle n'en existe pas moins. Elle a existé et elle existera encore. L'utopie est le royaume de ceux qui n'ont pas de roi. Elle est la terre promise des sans-rois. On peut croire au bonheur des bons hommes. Ils accomplissaient quotidiennement la parole de Jésus, et quelle que fût l'atrocité de leur extermination, il faut imaginer qu'ils n'en ressentirent pas la violence de la façon dont nous pouvons nous la ressentir. Parce qu'ils avaient agi avec justice. Cette justice était en soi une libération dans un monde comme le nôtre. Qui a gagné, se demande Philippe Cadic dans l'exégèse. Le christianisme ou l'Empire ? Ostensiblement, le christianisme. Mais souterrainement, en dessous, c'est l'Empire qui a gagné. Mais Philippe Cadic se corrige. Il se dit à lui-même, « Tu te trompes. Tu te trompes, écrit Dick. Sous l'Empire, gît la victoire secrète du véritable christianisme. » Le véritable christianisme était alors, sans le moindre doute, celui des bons hommes et des bonnes femmes. Celui de l'Église qui fuit et pardonne. Pas le christianisme de l'Église de Rome qui possède et écorche. Après la croisade des Albigeois au XIIIe siècle, l'Église de Rome pensait s'être débarrassée définitivement de l'esprit des sans-rois. Elle se trompait. Elle n'imaginait pas à quel point. Quant à la France, elle croyait avoir trouvé, après son annexion des terres du sud de la Loire, sa forme définitive, le royaume de France. Elle aussi se trompait, très lourdement. 16 ans seulement après la mort de Guillaume Bellibaste, à partir de 1337, alors que le roi Philippe VI, le premier des Valois, confisque le duché de Guyenne à Édouard III d'Angleterre et que ce dernier, petit-fils de Philippe le Bel, réclame la couronne de France. Une querelle d'héritage va commencer qui aboutira à un conflit plus grand encore entre la France et l'Angleterre. Ce sera la guerre de 100 ans. Guerre atroce, grotesque, bouffonne, tragique, culminant dans l'histoire mystérieuse d'un roi fou, une guerre civile mettant le pays à feu à sang, enfin, les mésaventures d'une gauchiste mystique, proto-féministe et anti-impérialiste, très courageuse, très jeune, très seule, trahie, abandonnée, brûlée et récupérée ensuite tout au but, que vous connaissez sous le nom de Jeanne d'Arc. Mais ceci, comme on dit, est une autre histoire. Merci d'avoir vu cet épisode de L'Empire n'a jamais pris fin. Si celui-ci vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast, activez la cloche. Et si vous n'aimez pas cette vision de la croisade contre les Albigeois, et de l'extermination des cathares, faites comme si l'intolérance était une fatalité de l'époque, comme dit Simone Veil, et oubliez toutes les preuves du contraire. Colocado en un tránsito histórico
Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.